Cette pine en bronze représente le travail ardu, l'ambition et la détermination. Bonjour, je suis l'adjudant-chef de première classe Marc-Olivier Gauthier, basé ici à Timmins. Aujourd'hui, je suis ici au Kettle Lakes Provincial Park pour faire mon Duke of Edinburgh, puis j'accomplis présentement la pine d'argent. Il y a quatre parties dedans le Duke of Edinburgh. La première, c'est le camping. Donc, pour Silver, on doit camper 2 jours et 3 nuits. La deuxième partie, c'est les sports, donc du biathlon, courir ou tout ce qu'on fait quand on bouge. La troisième partie, c'est travailler avec nos mains ou quand on travaille avec le bois ou quand on va faire du planeur. Puis la quatrième, c'est aider dans la communauté en faisant des heures de bénévoles. En fin de semaine, je suis ici, puis je fais mon camping. Je dois être ici encore 2 jours et 3 nuits. Puis en arrière de moi, j'ai fait un hoochie. Puis plus tard dans la soirée, je vais faire un feu de camp. Puis je suis en train de me faire un petit siège pour m'asseoir. En faisant partie du programme de cadets de l'air, j'ai une facilité à inscrire toutes mes compétences puis tous les sports que j'ai fait pour le Duke of Edinburgh. Par exemple, quand je viens faire du camping avec les cadets, facilement, je peux l'inscrire dedans le programme, puis la section est finie. Même chose pour les sports, là, avec le biathlon, puis pour la section des compétences, aller faire du planeur, même travailler avec des fusées, puis aussi aider la communauté avec les ventes de coquelicots, puis aider avec les activités qui se passent dans la communauté, que ce soit avec les personnes âgées ou avec les jeunes dans les écoles.